Je m'appelle Idrissa Doumbia, j'ai 21 ans, évolué au Sporting Club du Portugal. Idrissa Doumbia a commencé depuis tout petit, à l'âge de 5 ans, dans un centre de formation qu'on appelle Académie Jaguar, qui est à Épougon. Idrissa Doumbia a fait quoi? 2-3 ans dans ce centre de formation, et après il s'est retrouvé à Ingré, dans un autre centre de formation qu'on appelle OCA. Et après plusieurs tournois, je me suis retrouvé à ESB Benjerville, là où j'ai joué avec les jeunes là-bas, la réserve et tout. Et puis voilà, après je suis monté en équipe première. Et ensuite, ça a continué avec l'équipe nationale et tout ça. Et juste après l'équipe nationale, voilà, on a été à la CAN, on a fait une très bonne CAN. Et puis ainsi de suite. Après, juste après la CAN, j'ai signé Anderlecht. Où le parcours s'est bien passé, ça s'est bien passé, j'ai fait 6 mois. Et après les 6 mois, j'étais déjà avec l'équipe première et tout ça. Et après, comme vous le savez tous, j'ai été prêté à Zulte, où j'ai fait une saison, une très bonne saison. Et voilà, après la très bonne saison, j'ai signé en Russie. Et en Russie aussi, où j'ai fait une très bonne saison, où juste après, j'ai signé au Sporting Club. Et là, actuellement, je suis au Sporting Club du Portugal. J'ai eu beaucoup, beaucoup de fans au football. J'ai eu des footballeurs qui m'ont fait rêver. Et c'est juste ça qui m'a amené au football. Mon club actuel est le Sporting Club du Portugal. J'ai remporté la Coupe du Portugal, la Super Coupe du Portugal aussi. Donc, j'ai remporté 2 trophées au Sporting cette année, ce qui est quand même une très bonne chose quoi, pour moi et pour toute l'équipe. Avec la réserve et tout, j'ai été champion. Ensuite, avec l'équipe première, j'ai été champion. Et j'ai remporté la Coupe de la Belgique aussi, avec le Sporting, club d'Anderlecht. Et puis voilà quoi. J'ai été élu meilleur joueur avec la réserve, Anderlecht. Bien sûr. Essayer de repartir déjà en bonne forme avec mon club. Essayer de gagner encore beaucoup, beaucoup de trophées avec le club et individuel, bien sûr. Essayer de faire une super saison. Ça, c'est le niveau, disons, avec mon club. Niveau national, pourquoi pas espérer qu'on m'appelle une fois avec l'équipe A de la Côte d'Ivoire. Et puis ensuite, on verra, quoi. La sélection A, ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi. Comme on le sait, c'est toujours une fierté de venir représenter son équipe. Hein. C'est toujours un plaisir. Donc moi, j'espère toujours que voilà, ils feront appel à moi, quoi. De mon côté, j'essaie de faire mon boulot le mieux possible avec mon club, espérant qu'on m'appelle, quoi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Que ce soit au pays ou que ce soit en club, on se parle tout le temps au téléphone, tout le temps. Même là, je suis au pays, on se parle encore. T'en as qui sont encore en sélection, mais on se parle et tout. Donc, j'ai des très très bons liens avec eux. Franck Kessié, peut-être tout le monde le connaît. Et t'en as plein. Serédier, t'as qui encore? Roger Assalé. Plein, plein, plein. Je peux te citer plein, plein, plein. Franck Achampong, Ghanéen. Puis Henry Onyekuru qui joue à Galatasaray, Nigérien. T'as encore plein, plein, plein. Je peux pas citer tout le monde, mais t'en as plein, plein, quoi. Qu'on se côtoie parfois en club, avec qui on a déjà joué dans le même club. Et puis voilà, quoi. Mon idole, c'est Yaya Touré. Et ça, je l'ai caché nulle part. Je le dis haut et fort, c'est Yaya Touré. Parce que ce gars, il m'a fait rêver de. Et même jusque-là, il continue à me faire rêver. Mon plus beau souvenir, c'est mon premier trophée avec Anderlecht, où j'ai terminé champion. Ma première année, je termine champion avec Anderlecht. C'est mon plus beau souvenir. Mon club de reste, Manchester City. Manchester City. Ah, la question, elle est lourde. Hein. Meilleur joueur du monde. Difficile. Hein. Difficile. Difficile. Mais je dirais. Je dirais Ronaldo. Personnellement, je dirais Ronaldo. Non, non, là, j'ai pas d'envie d'ailleurs. Là, je suis bien au Sporting. J'espère encore rester peut-être une saison.
ou peut-être deux, et après on verra quoi. Mais pour l'instant, je ne bougerai pas, je vais rester au Sporting. Bien sûr, je ne vais pas le cacher, j'ai des contacts avec plusieurs clubs. Mais comme je le dis, je suis au Sporting actuellement et je me sens bien au Sporting et je ne compte pas bouger pour l'instant. Pour moi, le plus important, c'est de profiter déjà avec la famille. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps déjà. On n'a pas beaucoup de temps. Quand tu es au club, tu es concentré, c'est travail, travail, travail. Donc quand tu rentres au pays, voilà, tu as la famille, tu as des amis. Moi, pour moi, le plus important, c'est déjà partager beaucoup de moments avec la famille, des amis. Et puis voilà quoi. Moi, c'est le plus important. Le conseil que je peux donner aux jeunes d'aujourd'hui qui veulent se lancer dans le football, je veux dire, on a tous eu un parcours. Voilà. On est tous parfois venus des familles très pauvres. Comme moi, personnellement, je viens d'une famille très très pauvre. Donc, parfois, on dit non, quand tes parents, ils n'ont rien, ou voilà, quand tes parents, ils n'ont pas les moyens, tu peux pas réussir. C'est faux. Moi, mes parents, ils n'avaient pas un rond. Un rond, comme je le dis. Mais après, il y a aussi une question de volonté, de savoir ce que tu veux. Et faire beaucoup, beaucoup de sacrifices, tu vois. Aujourd'hui, quand tu arrives là-haut, les gens, ils sont contents. Mais comment? Mais après, il y a tout un travail autour qui fait que voilà, tu arrives là-haut. Ça demande beaucoup, 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 beaucoup de sacrifices et beaucoup, beaucoup de travail. Et je pense que, comme on le dit chez nous, quand tu veux, tu peux. Et tout est possible. Tout est possible. Tu peux faire tes rêves une réalité, quoi. Tout est possible. Tout est possible. Plaisir dans la vie. Ils verront, 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 ils verront.